emplacement d'un centre de transmission du cartel. Ce site gère tous les flux de messages de la province. Si on y entre et qu'on pirate leurs archives, on peut peut-être identifier l'instructeur en chef. De soleil comme ça, c'est top, hein. Là-bas, c'est un sicario, tout près du conteneur. Il y a une deuxième cible, ennemi numéro 3. Cible numéro 5. Leur génératrice est par ici. On arrive à proximité de l'objectif. On va entrer pour pirater leurs archives et aspirer leurs intels. En avant. Cible abattue. Je vois un système anti-aérien. Dedans. Charge posée et amorcée. Facile d'accès hein, par ce côté-là. On déploie une balise. Les rebelles enverront quelqu'un récupérer la marchandise. Moi. Cible abattue. On a donné un coup de pied dans la fourmilière. Putain, mais les mecs ils t'ont pas vu qu'ils commencent déjà à tirer. Vraiment les connards. Une feuille de coca sur cette médaille. C'est plutôt cool. Merde. Mortel de Dieu. La charge est amorcée. Téléchargement en cours. Je transfère le flux direct à Bowman. Y a plus qu'à attendre. Bowman, ici Nomad. J'envoie les archives d'un centre de transmission du cartel à Montuyoc. Si on a de la chance, le nom de l'instructeur en chef doit figurer là-dedans. Je reçois le flux. Un moment. Raté. Y a rien là-dedans qui fasse référence à leur big boss. Par contre, je vois un truc intéressant. Ils ont envoyé des équipes de recherche ramener un déserteur. Une de leurs nouvelles recrues a foutu le camp il y a quelques jours. Et ils pensent qu'elle est toujours dans le secteur. Là-haut. Nous avons intercepté des transmissions du cartel qui parlent d'un déserteur dans les collines. Trouvez-le et amenez-le-moi. Il pourra peut-être nous renseigner sur le programme de formation.
de recherche du cartel. C'est quoi le topo? On trouve le leader et on le capture. Je veux entendre ce qu'il sait sur le déserteur. Compris. Bah, faut péter la bagnole, par exemple. Toi, tu me diras non, il va en prendre une autre. On va se rapprocher gentiment. Je peux tuer le 1? Ouais, moi aussi. Non, tu peux le faire, oui. J'allais spotter, c'était plus facile pour moi. En plein, il nous a repéré, poursuivez-le. En alerte. Leur officier fout le camp. Bah, la bagnole est hors d'état de... T'inquiète, t'inquiète. Avec mon arme, toutes les bagnoles, je te les défonce en une balle. C'est bon, on va l'avoir. Je m'occupe des autres. T'interroges. Vas-y, c'est bon, je te couvre. C'est bon, ça va, vous tenez le coup. Merde, je commençais juste après. Oh, le coup de tatane. Fils de pute. Ce fameux déserteur, c'est qui? Un pocos huevos, maricón de mierda, qui s'est enfui du camp d'entraînement. Le boss tient à ce qu'on en fasse un exemple pour empêcher les autres de l'imiter. On va le ramener au camp et laisser les autres recrues se défouler sur lui à la machette. Et il est passé où, votre foudre de guerre? On n'est pas encore certain, mais on se rapproche. Une autre équipe de recherche pense avoir trouvé sa trace. Elle est où, cette autre équipe? Dis-moi et peut-être que je te laisserai en vie. Ok, ok. On se rapproche du déserteur. Si, si, on va balayer la zone où il a été aperçu pour tenter de le retrouver. Il est mort dans la nuit. On va attaquer par, par le côté montagne. Hein. Colline visuelle. Go, go, go. Je vois une troisième cible. Ennemi désigné. On arrive à 10 cibles. Il est seul. Hein. La ferme. À partir de maintenant, quand je parle, tu m'écoutes. Fais oui de la tête si tu me comprends. Allez, avance. Je l'extrais de ton côté en espérant qu'ils vont pas me voir. Quand t'as besoin, rappelle un hélico là, là où je suis. Allez, au niveau où je suis. Bowman a des véhicules. Pourquoi c'est aux rebelles qu'on demande? C'est vrai. Il rentre là-dedans. Non. Qu'est-ce que t'as dit? Non, laissez-moi partir. Faut que tu te sentes devant. Non. Être chaud là. Par la jouer. Non,
n'est pas là-bas, par pitié, je vous en supplie. J'en peux plus, vous m'entendez? C'est ce qu'on m'oblige à faire là-bas, c'est immonde, c'est totalement inhumain. On m'a donné un marteau en m'ordonnant de tuer un gamin de 15 ans. Mais obligaron, c'est le rouleau. J'entends encore ces cris. Plutôt crever que d'y retourner, vous m'entendez? Tuez-moi, tuez-moi, andale, pendejo. Allez, Emilio, pour l'instant. Attention, ils arrivent. Ouais. Merde, c'est les civils. Qu'est-ce que t'as foutu, putain? Ils sont encore là. Ouais, ouais, il y avait un effet de. Il y avait un effet de distance, je croyais qu'ils étaient juste à côté. Silencio. Ouais. Oh le bordel. Joli. C'est bon. Puis le. Vive le lance-patate. C'est bon, on est tranquille. Yep. Extraction. Tu veux échapper au cartel, Emilio? Je peux t'aider à disparaître, mais j'ai besoin d'un service. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le type qui dirige le camp? Carajo, je sais pas. C'est un gringo, costaud, une sorte de feu dans le regard. Es malo, même les gardes ont peur de lui. Il a un nom? Un des autres instructeurs l'appelle Bukart. Attends, Karl Bukart? Quoi, tu connais ce type? Il y avait un sergent Bukart dans les Rangers quand je servais en Irak en 2003. On a fait quelques missions ensemble. Merde. Rejoins ton équipe. Je contacte l'Anglais pour voir ce que je peux trouver sur ce Bukart. Emilio nous a donné un nom, Karl Bukart. Et c'est un Américain? Si c'est bien lui que je pense, c'était un ranger. On a même servi ensemble à une époque. Un ranger? Non, vous déconnez, là. Bowman est en train de confirmer tout ça. Quand elle sera fixée, elle nous recontacte. C'est dégagé de mon côté. Vous pensez que ça ira avec mon uniforme de cérémonie? Une caisse d'armement par ici. On dirait des rebelles. Je me demande ce qu'ils font. Génial. Ça va être utile, ça. C'est pile ce que je voulais. Vu la thune qui se fond, on pourrait faire une médaille plus classe. Ça, c'est une décoration. J'ai l'impression que ça sort d'une boîte de céréales, ou pire, de l'Air Force. Il y a une feuille de coca sur cette médaille. C'est presque cool. Vous croyez que la Santa Blanca en distribue beaucoup? Une seconde, il y a une caisse d'armement. Ah ouais, ça je prends. Sicarios ont achevé le premier cycle de classe sur un total de 200 recrues. En plus de l'entraînement physique et mental,
Ils ont été formés au combat, au premier secours et aux manœuvres d'infanterie. Les Sicarios ont alors actif un total de 431 victimes, dont 47 policiers, 30 soldats et 11 cibles stratégiques. Hommes d'affaires et politiciens. 12 Sicarios ont été blessés et 8 ont été tués, dont 2 par leurs équipiers pour éviter leur capture par les forces de l'ordre, comme ils ont été entraînés à le faire. Plus important encore, ils ont rempli toutes les missions qu'on leur a confiées, toutes cibles confondues. 8 officiers de police abattus à La Paz, le fils d'un procureur enlevé et assassiné à Sucre. Aucune hésitation, aucun remords. Leur conditionnement a donné les résultats prévus. Fin du rapport. En tant que Sicario, je jure de servir El Sueño et les chefs de la Santa Blanca sans discuter. J'agirai sans peur ni hésitation. J'ai un Sicario par là. Je fais du feu de carburant. Je ne tuerai sans pitié ni remords. Si je suis capturé, je garderai les secrets du cartel jusqu'à mon dernier souffle. Ça sera votre credo pour le restant de vos jours. Que la Santa Muerte vous juge si vous voulez. Regardez par là, une caisse d'armement. Joli.